je dessine depuis toute petite et du coup je voulais vraiment mettre en application le dessin, les portraits que je faisais sur papier, plutôt les faire sur décor. J'ai choisi Makeup Forever Academy non seulement parce que c'était pour moi la meilleure des formations, mais également j'ai pu rencontrer des personnes avec qui j'ai pu travailler par la suite une fois diplômée. Hello， 大家好，我是 JJ。我呢之前一直在德国生活，然后2018年的时候呢就回到了上海来 Makeup Forever 的大师班就读了。很小的时候就已经开始拿着妈妈的化妆品啊，自己在那边乱画。Dans le cadre de l'exposition pour mon body painting, j'avais juste un thème donné qui était la texture. J'ai décidé de créer un paysage lunaire et assez aérien. Ça a été beaucoup d'entraînement, beaucoup de tests aussi. Dans une展览上，我看到了一幅画，它是一个暗蓝色系的，然后呢有很多的树枝暗影，这个就可以作为我的 inspiration。我用的明亮度比较偏高的地方，它表达的就是一种愉快明朗的心情。外轮廓的时候慢慢暗下来的时候呢，它表达的就是一种淡然的忧伤的一种情感。作品的名字就叫做《永变》。一个人他从青涩的懵懂到金色的沉淀，从绿叶的昂扬再到落叶的沉思。J'ai voulu donner une orientation de peinture comme sur une toile, donc en fait ça m'a tout de suite ressemblé. Lors du body painting, je suis tombée sur le thème animal. J'ai choisi donc le caméléon. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on a un peu de doutes sur le placement, le mélange des couleurs. Donc les profs sont surtout là pour vous rassurer et pour vous donner cette confiance en vous.又一次拥有了一个学习的状态，感受到了其实美妆跟艺术确实是可以融合在一起的。从忐忑到自信，通过层层的学习，让我变身成艺术潮流的创造者。Si je pouvais décrire l'académie en trois mots, ce serait découverte, aventure et dépassement de soi.